Est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà pris un râteau? Genre, tu sais, ça a détruit ta vie, tu pleurais tous les soirs, t'avais juste une chose en tête, c'est de mourir. Non? Ah, je croyais que c'était commun quand même, c'était pas... Savez-vous draguer? Bon, écoutez, je suis un petit peu, comme on dit, un dieu de la drague. Eh, ton père, c'était pas une grue? Parce que j'ai grave envie de te soulever, là. Allô, mon fils? C'est maman, hein? Aujourd'hui, on va regarder des vidéos de personnes qui sont des dieux de la drague. Vous y croyez pas, moi non plus. Ah oui, au fait, j'ai déménagé. Qui dit déménagement dit nouveau décor, parce que j'ai v'là la thune. Ouais, non, mais j'ai eu un problème avec ma carte bleue, elle est bloquée là. Bien, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je nous ai trouvé 3 vidéos de dieux de la drague. Et ce qui est plus ouf, c'est que les 3 vidéos ne datent pas d'aujourd'hui en fait. Donc là, clairement, on va regarder comment draguer nos parents. Et comme dans chaque vidéo où je regarde des vidéos du passé, j'arrive toujours pas à imaginer mon père. Je vous laisse un peu de temps pour imaginer vos parents en train de draguer. Voilà, maintenant vous connaissez la vision d'horreur que j'ai actuellement dans la tête. Je sens qu'il va y avoir des pépites. On a tous un pote qui ne sait absolument pas draguer. Et c'est si drôle. Allez, on part en 1973. Comment draguer dans la rue? Je la sens tellement mal. J'ai même pas commencé la vidéo, je la sens tellement mal. Oh, je sens le malaise venir. Allez, Fred. Pas celle-ci, celle qui vient de passer. On attaque ça? C'est même pas des chiens à ce niveau-là. C'est un type de félin qui est beaucoup trop grand. Même des dinosaures, c'est des tyrannosaures, les gars. C'est ultra vicieux comment ils ont filmé. On dirait vraiment des violeurs. Et l'autre, on attaque. Ils ont cru que c'était une guerre, en fait. Ils menaient une guerre. T'en as rien à foutre de te ramasser une base dans la gueule. Je la sens mal. Je la sens ultra mal. Vous avez pas des cigarettes? Vous êtes française, là? Vous êtes toute seule, là? Je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu aux racailles, tu sais, genre qui viennent et qui font hey, « Eh madame, hey, t'as v'là la poche Lidl trop belle, quoi !» Je vous ai dit, hein, je suis un dieu de la drague. Mais bon, on est d'accord, on va mettre quelque chose au clair directement, les filles et garçons. Jamais personne s'est dit « Waouh, il a de trop belles Adidas, quoi. En plus, il a une casquette à l'envers, il est trop frais. En plus, il a un survêt Barcelone. Enfin, non mais franchement, attendez les filles, c'est Aqualand dans mon stream, là. Vous êtes hollandaise? Amsterdam, ouais, d'accord. Vous avez vu le match de foot, mercredi? Donc, la seule technique de drague, c'est tu t'arrives devant une meuf. Bonjour, vous avez une cigarette? T'as vu Barcelone, Real Madrid, 3-0? Ajax. Ajax, ah oui. Ah ouais. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Pourquoi tu l'as regardé comme ça? Il les lâche pas. Il est beau. Oh là 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 là. Papa, s'il te plaît, mets-moi un commentaire. Dis-moi si vraiment tu dragues comme ça. J'ai peur. Vous savez quoi? Je vais tenter d'appeler mon père. Ça va être drôle. Je vais lui demander quelle était sa technique de drague en fait. Je sens que je vais regretter toute ma vie. Oui, bonjour papa, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va, je te dérange? Non, pas du tout. D'accord. Tu es à côté de personne? Non. D'accord. J'aimerais. J'aimerais savoir quelle était ta meilleure technique de drague quand t'étais jeune. Genre, tu faisais comment d'habitude? Tu draguais dans la rue directement? Au fin, il paraît que c'était pas souvent dans la rue, hein. C'était plutôt soit en réunion d'amis ou des soirées, des balles. D'accord. Ça faisait partie du jeu. Déjà, d'entrée, tu savais que tu allais pour ça. Quoi? Pardon? T'as dit quoi? Tu savais que tu y allais aussi pour ça. Comment ça? Sur le truc du bal, il y avait écrit « Venez pécho » quoi, en gros? Non, mais bon, voilà, ça n'y allait pas que pour danser, quoi. Et genre, est-ce que ça existait aussi, genre les grosses racailles comme il y a aujourd'hui, tu sais, genre dans la rue, ils viennent et qui font « Hey, madame !» Les gros porcs, ça a toujours existé. Ah oui, non, mais là, c'est pas que des gros porcs, là. Là, c'est un autre animal plus gros, hein, c'est genre des éléphants, quoi. Franchement, je m'attendais tellement à pire. Je me suis dit « Ah, ça y est, je vais devoir supprimer mon père de mes contacts. » Ne plus jamais le revoir de toute ma vie, quoi. D'ailleurs, une des meilleures dragues qui existent au monde, c'est d'arriver devant une fille et de lui dire « Bonjour madame, vous êtes très charmante, j'aimerais savoir si vous vouliez vous abonner à ma chaîne. » Et mettre un pouce bleu, éventuellement. Comment ça dans mon cul? J'ai pas compris la... Comme il disait mon père, avant, nos parents, ils draguaient dans des balles. Genre, c'était des balles de fin d'année où les jeunes venaient pour danser, etc. et pour essayer de draguer et tout. Mais imagine, tu ferais ça aujourd'hui. Alors salut, moi c'est Fabrice, ça te dirait qu'on se le cul? Oh là, là, je comprends rien, là. Elles sont tellement gênées. Apparemment, vous devez draguer deux jeunes filles. C'est un échec, puisque vous vous retrouvez tout seul. Bah là, ils sont tombés en dépression. Oh, la journaliste, elle les ramène à la réalité. Elle les a pris tous les deux, elle leur a fait un chose pleine. C'est pas un échec. On croise une fille, on fait un sourire. Oui, souris pas trop, hein. Non, vraiment, c'est un conseil, hein. T'es mon pote, je te dirai tout, quoi. Si ça va pas, arrête de sourire. Vous avez quel âge? 18 ans. Je l'ai pensé beaucoup plus âgé, what the fuck? Oula! Alors lui aussi, hein, dragueur professionnel, c'est Roger, Roro, comme on l'appelle. C'est le genre de petit loustique au bar à dire « Hey, femme, amène-moi une bière et ton cul !»
Je vais trop loin. Le pire, c'est que j'ai déménagé, mais vous le savez pas. Genre, la fenêtre là, elle donne sur la rue. C'est-à-dire que tout le monde entend mes conneries. Pensez-vous que les jeunes que vous connaissez bien draguent de la même façon? On draguait, par exemple, il y a 10-15 ans. Maintenant, la situation est telle que, étant donné la mixité des écoles, il n'y a plus besoin de draguer. Non, il n'y a plus besoin de draguer. Il suffit de quelques menottes, quelques rubans pour qu'elle parle. Éventuellement, une cave. Chez soi. Il y a un rapport beaucoup plus direct entre le garçon et la fille, de telle sorte que le dragage devient un peu inutile. Comment ça? Genre t'arrives, bonjour, faisons un bébé. Oui, bien sûr. Ah, nickel, je vais l'appeler Serge. Oula. C'est un requin, il cherche la proie. Alors, je suis désolé, mais on dirait vraiment mon petit frère. Ça me fume. Je cherchais. Ça boum. Ça boum. Putain, ça boum. Il a dit ça boum. C'est interdit, ça. C'est lui qui a créé cette expression. Ça boum. Et aussitôt qu'il l'a dit, il l'a direct rendu has-been. C'est un pouvoir qu'il a. Qu'est-ce que vous faites dans la région, là? Mais frérot, t'as 14 ans, qu'est-ce que... Oh, ça m'isaque. Ah oui, je vois. À quoi? À t'esquiver le plus possible, parce que tu nous casses les couilles. En plus, t'es chum, hein. Quand tu te prénommes? Véronique. T'es chaud, ils ont presque le même âge, mais on dirait trop que le mec, là, il a un camion pas loin. Il l'attend avec une sucette plus grande des cannes. Trop chelou. Toi? Sandrine. C'est les deux prénoms que je préfère, tiens. Oh frérot, c'est disquette là. Putain, c'est même plus des disquettes, c'est des CD-ROM. Elle aurait pu sortir n'importe quel prénom. Quand tu te prénommes? Véronique. Toi? Bah alors moi je m'appelle Nique ta mère la pute. Vous habitez où exactement? Non mais frérot là, on dirait vraiment tout l'archétype d'un violeur. Moi j'habite tout à côté là. Oui, on peut y aller. Non mais frérot, non. Mais t'as 14 ans! T'as 14 ans! T'as 14 ans putain, je suçais mes doigts de pied! On n'a pas tous les mêmes hobbies, ok? À quel moment? À 14 ans, je venais de passer niveau 100 sur Dofus! Colère myope, moins 1300. Oh, ma panneau chaîne mou, putain! Oh, bah dites donc, vous êtes drôle de timide, vous alors? Mais c'est pas. Il va pas les lâcher en fait. Non, mais attends, en 1970, les gens de 18 ans draguent, les gens de 14 ans draguent. J'en suis sûr que même l'enfant qu'il y a derrière, il doit draguer. Ça te dit de goûter ma sucette? Pas celle-là, hein? T'as capté, hein? On est là. T'es trop fraîche dans ton landau, là. Allez, un petit saut dans le temps. En 1976, le documentaire, c'était « Comment draguer une fille ? Simple, efficace. » Alors moi, je vois une différence entre la drague. La drague, maintenant, c'est dur, c'est rusque. Quand on drague, on n'est pas romantique. De toute façon, quand tu dragues une nénette. Une nénette. Waouh. À chaque vidéo de ce type, je perds tellement foi en l'humanité. C'est vraiment d'un seul coup, sans connaître la fille, quoi. Tu veux y aller, tu veux la draguer, tu veux te l'emballer ou un truc comme ça. Pour lui, en fait, une fille, c'est un colis Amazon. Vous êtes marié en draguant ou pas? Oui, ça s'est passé à la piscine. Je lui ai offert de lui apprendre à nager. Oui. Comment, bah pourquoi tu rigoles? Je lui ai offert de lui apprendre à nager. Alors que moi, je ne savais pas nager. Elle est morte. Et après, je me suis marié avec elle, d'ailleurs. C'est trop mignon. S'il n'y a pas de réciprocité, n'en parlons pas. À ce moment-là, on doit déclarer forfait. Pour lui, carrément, draguer une fille, c'est un match de foot. Quand tu vas dans un magasin, quand tu vois une marchandise, pourquoi tu l'achètes? Bon, parce qu'elle est bien agencée ou est-ce que le produit est beau? Pour lui, draguer une meuf, c'est aller à Castorama avec Kiski. La dernière fois, j'avais vu cette fille. Bon, elle n'avait pas les contours agencés, elle n'avait pas de double tiroir. Si tu vois ce que je veux dire. Si elle a un physique avantageux, si elle te plaît, alors tu prends la gonzesse de la fille pour une marchandise. C'est abusé, mais what the fuck? J'ai l'impression qu'ils ont regroupé tous les gros connards de la ville. Ils les ont regroupés dans le même bar. Ils ont fait un interview. Absolument pas d'accord avec toi. Il a eu une seule prise de parole. Tu prends la gonzesse de la fille pour une marchandise. Eh, je suis pas d'accord, hein. Allez-y, continuez. Mademoiselle, vous êtes la femme de ma vie. C'est vrai? Vous êtes la femme de ma vie, je vous assure. En vrai, ça me fait rire. Vous voulez? Oh, je vous en prie. Mais en vrai, lui, il est drôle. En vrai, lui, ça va. Il est drôle, c'est pas genre wesh madame. Vous êtes sûr? C'est raté, oui. Oh, c'est pas possible, ça ne peut être que moi, écoutez, mademoiselle. Il est trop mignon. Dragué. Carrément. Maintenant, les jeunes sont plus virulents. C'est quoi ce bisou? Putain, c'est un aspirateur à feuilles. Mais respire! Faut respirer! On a vu du lourd, mais là, on va voir une dernière vidéo. Vous l'avez sûrement déjà vue, elle est hyper connue, mais je sens qu'on va se taper des bas. Alors mon rêve, c'est de devenir acteur. Je m'appelle Philippe, j'ai 18 ans, je suis étudiant. Mes copains m'appellent Huggy. Tu l'as dit vraiment avec tellement de sûreté, comme si c'était quelque chose que vraiment tu portais dans le cœur, mais vraiment c'est pas quelque chose que tu dois mettre sur ton CV. Je m'appelle Pascal. Oula. Mes copains m'appellent Perfecto. Je m'appelle Pascal, mes copains m'appellent Grosse Bitasse du 32. Je m'appelle Eric, j'ai 19 ans, mes copains me surnomment Danny, je suis manutentionnaire, je suis le phare de Pascal, mon rêve c'est de devenir chanteur. Moi et mon phare on gagne 4000 francs par mois. 4000 francs par mois et t'es même pas foutu de t'acheter une veste, je suis
suis désolé, mais je vais donner mon avis. Après, c'est le goût et les couleurs. Mais j'ai vraiment l'impression que t'as deux grosses couilles. Niveau des titres. Je sais pas si c'était la mode avant, papa, s'il te plaît, réponds-moi. Soit les meufs descendent à Paris, ou alors elles restent chez elles en train de dormir, tu vois, en train de regarder Dallas. En train de regarder Mimi Mati. Ah, parce qu'elle est trop fraîche, cette dame-là. Tu sais, j'ai bien envie de faire du poney avec. Je sais pas pourquoi j'ai des hobbies comme ça, trop chelou, tu sais. Vous allez où, là, les meufs? Vous voulez qu'on vous accompagne? Oh, on peut vous accompagner. On peut les accompagner. On va prendre un cheeseburger. Je peux savoir ton nom, s'il te plaît? Non, mais lui, il drague tout ce qui bouge. Je peux savoir ton petit nom un petit peu, là? Parce que t'es vraiment mignon, tu sais. T'as vraiment une chevelure dressée vers le haut, comme ma queue, genre. Regarde comment il a mal, lui, là. C'est même plus des couilles pleines de sperme, c'est carrément des citernes. Attendez. Il lui demande son nom, mais attendez, Pascal, il dit des trucs derrière. Le mec, c'est un agent de police. Ton nom, ton numéro de téléphone, ton IBAN, s'il te plaît. Ton numéro de sécurité sociale, éventuellement ta pointure de cheveux. Et j'ai bien conscience que je viens de faire une faute et que je voulais dire pointure de chaussures. Mais d'un côté, je vous emmerde. Mais je te parie qu'il va pas y aller. Il me va forcer. Pour moi, cette fille vient de faire une virgule à la Ronaldinho. J'en ai pris des vents. Ah bah alors là, c'est pas un Mistral, là c'est les tempêtes qu'il y a sur Saturne. Les ouragans saturniens mesurent environ 8000 km de diamètre et vont à une vitesse de 550 km/h. C'est à peu près ce qui s'est passé. Bah t'as vu comment t'es taillé sans déconner? Pourquoi ils ont fait ça? C'est qui lui? On aurait de la thune, elle viendra aussi avec nous, hein. Mais retourne traire tes vaches. C'est le moment où Zidane nous fait la roulette. Bon stop, je pense qu'on en a assez vu. Qu'est-ce que je viens de regarder là? J'ai perdu 1h30 de mon temps. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Ça fait énormément plaisir, on est 100 000 bientôt, c'est énorme. J'arrive même pas à concevoir encore, je vous remercierai jamais assez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, Twitter, Instagram, sur mon Discord aussi et sur Twitch. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et je me casse là. Technique pour draguer une fille. Léviter. Hein? Ouais, alors c'est qui? Je sais pas! Bah ferme ta gueule! J'en suis sûr quand même maintenant, c'est l'amour fou là, on va avoir des enfants. Je suis seul.